attention. Cerberus a réussi à le récupérer. Mais où sont-ils tous?
Mon autre dos, je parle. Attendez, Shepard. Ce guide serait très utile aux recherches de Cerberus. Je serais ravi de l'emporter. Il nous faut mieux les comprendre. Tali affirme que personne n'a encore capturé de guide intact. Les Cariens ont raison de s'inquiéter. Mais c'est une opportunité exceptionnelle. Le temps presse. Allez. Accrochez-vous. Ouvrez le sas d'abord. J'aimerais qu'on discute de notre passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau. Un guet intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un guet intact. Jacob, c'est à cause d'Eden Prime que je donne le guet à Cerberus. Miranda a raison, on a besoin de meilleures armes. Il faut raisonner de façon globale. Oui, chef. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Sa connexion avec les systèmes du Normandie présente certains risques. Ce module, c'est le seul moyen qu'on a de passer le relais Oméga 4. Sans lui, on ne peut pas arrêter les récolteurs. Compris, Shepard. Il faudra sans doute plusieurs heures avant que le module soit prêt à être testé. Je vous avertirai dès qu'il sera opérationnel. Parfait. D'ici là, vous pouvez reprendre vos activités. Rompez. Je n'en reviens toujours pas que Mylon m'ait trahi. Qu'il ait trahi mon travail. Ses actes me révulsent. Mais son culot en impose. J'ai toujours cru qu'il manquait de caractère. C'est dommage qu'il m'ait fallu le tuer. Ça aurait pu être un collègue productif. Il n'avait pas peur de se salir les mains. Ce qui est arrivé, ça ne vous touche pas plus que... Bien sûr que non. Ce qui est fait est fait. La vie continue. Retour à la mission, au travail. Sinon, on finit comme Mylon. Les Galariens traitent leurs émotions plus vite que les autres espèces. C'est nécessaire. Vu notre espérance de vie, les réminiscences sont un luxe. Alors ce qui s'est produit sur Tuchanka ne vous dérange vraiment pas? Non, en effet, plus maintenant, en tout cas, sur le moment, profond désarroi, deuil, douleur, rationalisation. J'ai fait le plus gros du travail mental sur Tuchanka, et j'ai arrondi les angles sur le Normandie. Et les données de Mylon sur les génophages? Ces tentatives de trouver un remède?
disparu. Il pourrait reprendre à zéro, mais ça a toujours été le cas. J'ai enseigné à Maelon tout ce qu'il sait, mais pas tout ce que moi je sais. Quoi qu'il en soit, c'est sans importance. Je vous remercie de m'avoir aidé sur Tuchanka. Il faut reprendre le travail. Nous avons déjà perdu trop de temps. On se reparle plus tard. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On se reparlera plus tard. Commandant? Le module d'identification est presque installé, mais je dois encore tester son impact sur les systèmes du Normandie. Je vous suggère de prendre la navette pour atteindre votre prochaine destination. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, bien sûr. J'étais très occupée ces derniers temps. J'avais un petit travail à faire pour Cerberus, mais je n'ai pas oublié notre dernière discussion. Ça me fait un peu peur, mais je n'ai pas oublié. À supposer que vous soyez toujours intéressé. Bien sûr que je suis intéressé. Ravi de l'entendre. Je passerai vous voir au prochain moment de calme. Commandant, que puis-je faire pour vous? Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez des améliorations pour les systèmes d'armement du Normandie? Mes améliorations actuelles marchent plutôt bien. Je suis quasiment au top. On se reparlera plus tard. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Le module d'identification est presque installé, mais je dois encore tester son impact sur les systèmes du Normandie. Je vous suggère de prendre la navette pour atteindre votre prochaine destination. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mon intuition féminine me dit qu'elle veut que vous soyez plus que bons amis. Vous vous trompez. Notre relation est purement platonique. Ça se voit dans ses gestes, la façon dont elle se tourne quand vous entrez, dont elle épie le moindre de vos mouvements. Je trouve les Cariens fascinants, mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. Ce sera tout. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Salut, commandant. Bonne nouvelle. On dirait que le module d'identification est enfin opérationnel. Ce n'est pas tout à fait exact, monsieur Moreau. Le dispositif est alimenté, mais il provoque une instabilité étrange dans d'autres systèmes. Je recommande une analyse plus approfondie avant de chercher à l'utiliser. Mieux vaut être prudent avec ce truc. On va prendre la navette pour ce trajet. Je vais faire en sorte que tout soit opérationnel à votre retour, commandant. Ça vaudrait mieux. Commandant, ici Miranda. J'ai prévenu tout le monde. On se joint à la navette. Une fois qu'on sera à destination, vous pourrez choisir qui prendre avec vous. Bien, je vous rejoins tout de suite. Joker, je vous confie le Normandie. Affirmative, commandant. Idéa, je te répète que tes scans sont faux. C'est juste l'exsudation des flux radiants. J'ai détecté un signal dissimulé dans les parasites. Nous transmettons l'emplacement du Normandie. Hein? Mais à qui?
système de propulsion désactivé. Je détecte un virus dans les ordinateurs du vaisseau. C'est le module d'identification, merde! Pourquoi t'as pas fait un check? Système de défense principaux hors ligne. Nous pouvons sauver le Normandie, Monsieur Moreau, mais vous devez m'aider. Donnez-moi le vaisseau. Quoi? Non mais tu plaisantes! Tu veux pas que je t'appelle Hal non plus? Déverrouiller mes bases de données scellées et je pourrai mettre en œuvre des contre-mesures. Le puits de maintenance du laboratoire permet d'accéder au noyau IA. Corridors principaux compromis. Les récolteurs sont à bord. Le marquage au sol d'urgence vous guidera, Monsieur Moreau. Non, mais je rêve. Détecté au pont résidentiel. Joker, les monstres ont envahi tout ce pont. Restez là, je vais vous protéger. Merde. Réacteur à fusion principal désactivé. Activation des accumulateurs à hydrogène de secours. Oh, quelle merde! Bon, je suis arrivé à... toi ? Connecter le noyau au module de contrôle principal du Normandie. Génial. Ça commence comme ça, et bientôt, on va tous finir en batterie organique. Et là, qui sait qu'on blâmera, hein ? Tout ça, c'est la faute de Joker. Quel crétin ! Il faut que je passe toute la journée à calculer Pi, parce qu'il a branché Skynet. J'ai accès au système défensif. Merci, Monsieur Moreau. À présent... Veuillez réactiver le moteur principal dans la salle des machines. Tu veux encore me fourrer à quatre pattes dans un boyau ? J'aime voir les humains à genoux. C'est une plaisanterie. C'est ça. Le puits derrière vous est relié aux machines. Bonne chance. Les ennemis sont présents dans la salle des machines. Ils se dirigent vers la soute. La salle des machines est dégagée. Accédez-y immédiatement pour minimiser les... Activez le moteur. Et j'ouvrirai les sas tout en accélérant. Tous les ennemis à bord seront tués. Hein ? Et l'équipage ? Il n'y a plus d'équipage, Jeff. Les récolteurs ont emmené tout le monde. Merde ! Je vais verrouiller la salle des moteurs. J'ai enfin le contrôle. Purge terminée. Aucune autre forme de vie à bord. Fermeture des sas et portes de la soute. Envoie un message à la navette de Shepard. Explique-lui ce qui s'est passé. Message envoyé. Vous vous sentez bien, Jeff ? Non. Mais c'est gentil de poser la question.
Vous avez perdu tout le monde? Et vous avez bien failli perdre le vaisseau aussi? Je sais, bon sang, j'y étais! C'est pas sa faute, Miranda. Aucun d'entre nous n'a réussi. Monsieur Taylor a raison. Les données nocives des récolteurs étaient encore plus sophistiquées que les virus moissonneurs de type Black Box qui m'ont été soumis. On verra plus tard qui est responsable. Le vaisseau est-il opérationnel? J'ai vérifié et installé le module d'identification. Tout est OK. On peut utiliser le relais Oméga 4. C'est quand vous voulez. Sans parler du fait que vous avez affranchi cette fichue IA. Qu'est-ce que je pouvais faire contre les récolteurs? Me jeter sur eux en hurlant? IDEA s'est chargée de nettoyer le vaisseau. Heureusement. Je vous assure que je suis toujours lié par les protocoles inclus dans mon programme. Et même si ce n'était pas le cas, vous êtes toujours mes coéquipiers, non? Si je comprends bien, tous les systèmes sont opérationnels. Module d'identification inclus. Tout est prêt. On peut lancer l'opération de sauvetage. Nous avons fait tout notre possible. Maintenant, il est temps d'affronter les récolteurs. Bien compris, commandant. Vous n'aurez qu'à me pointer la direction sur la carte dès que vous serez prêt. Réserve de carburant épuisée à 50%. Confirmer la destination, Shepard. Le module d'identification moissonneur est opérationnel, mais il demeure possible que le Normandie ne résiste pas au relais Oméga 4. Une fois ce cap franchi, nous ne pourrons plus faire machine arrière. Les récolteurs sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand on me cherche. Ça marche, commandant. Je programme le vecteur du relais Oméga 4. Arrivée prévue dans 2 heures environ. Je vous ferai signe quand on sera à bon port. Ah, pardon, commandant. J'ai fait vider la salle des moteurs. Retrouvez-moi là-bas dans 5 minutes. J'aurais dû me douter que les quartiers du capitaine ne vous plairaient pas. Je suis assez difficile à satisfaire. Thank you.
Shepard, j'aimerais avoir plus d'informations à vous communiquer. Ça ne me plaît pas de vous voir foncer tête baissée à travers ce relais, mais nous n'avons pas franchement le choix. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais on sera de taille. Malgré les dangers, c'est une opportunité en or. Le premier humain à traverser et survivre. Si ça vous démange, on peut vous faire de la place sur le Normandie. L'offre est alléchante, mais ce n'est pas mon rôle. Je voulais juste vous témoigner ma reconnaissance pour les risques que vous prenez. Quelle que soit votre opinion sur Cerberus ou sur moi, vous êtes un atout précieux pour l'humanité tout entière. Prudence, Shepard. On approche du relais Oméga 4. Stand-by. Que le spectacle commence. Identifiant moissonneur enclenché. Signal validé. Commandant, le propulseur est dans le rouge. Charge électrique du propulseur au-delà des seuils critiques. Je dérive la puissance. Décélération imminente. C'est tout prêt. Tous ces vaisseaux ont dû tenter de franchir le relais Oméga 4. Certains ont l'air de franchement datés. Je relève une signature énergétique à la lisière du disque d'accrétion. Ça doit être la base des récolteurs. Rapprochons-nous et en douceur. Attention, Jeff, nous ne sommes pas seuls. Manœuvre d'évitement engagée. Il commence sérieusement à me gonfler. Idéa, vaporise-moi ces fumées. Tant que le nouveau blindage tient le choc. Ils en demandent ? Allez, ma beauté, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Dans la salle des machines. C'est dans la soute. Je prends une équipe pour éliminer l'intrus. Occupez-vous de semer nos poursuivants. À vos ordres, commandant. Dérive l'énergie auxiliaire sur les boucliers.
une avarie notable. Prends la barre, Idea. En avant, lente. Évite d'attirer l'attention si possible. J'ai détecté un ennemi en approche sur la soute. Encore ce truc. À Shepard de régler ça. Ils sont partis. La voilà, la base des récolteurs. Essayez de trouver une aire d'atterrissage discrète. Trop tard. On dirait qu'ils envoient un vieil ami nous accueillir. Qu'est-ce qu'on sait faire? Canon principal, feu! Ça vous plaît, hein, bande de gamines en short? Au contact, on les achève. Accrochez-vous, monsieur, dame, ça va secouer sévère. Balance toute la sauce, ma belle. Idea, donne-moi du jus. Les générateurs ne répondent plus. Imminent. Joker, ça va? Ah, je me suis pété une côte. Si c'est pas tout. Le crash a entraîné une surcharge généralisée des systèmes centraux. La restauration prendra du temps. On savait tous que ce serait certainement un aller simple. Je suis prêt à tout pour arrêter les récolteurs. Mais j'ai bien l'intention d'y survivre. Ravi que vous soyez aux commandes. Et maintenant ? Joker, Idea et vous, remettez le vaisseau en état de marche. Miranda, rameutez les autres dans la salle de briefing. Il nous faut un plan. La mission a pris un tour imprévu, mais il va falloir faire avec. Que le Normandie puisse nous évacuer ou pas, peu importe. Notre mission, c'est d'arrêter les récolteurs, et pour ça, il nous faut un plan pour détruire cette station. Idea, passe tes scans en visuel. Vous devriez pouvoir surcharger leur système primaire si vous accédez au centre de contrôle principal, ici. En gros, il faudra qu'on se pointe en plein cœur de la station. Au-delà de cette signature énergétique massive. C'est le noyau central. Si notre équipage ou les colons sont toujours en vie, c'est sans doute là que les récolteurs les retiennent. Apparemment, il y a deux voies d'accès potentielles. Je suggère qu'on se sépare pour diviser leurs forces avant de se regrouper dans le noyau central. Mauvaise idée.
Les deux accès sont bloqués. Vous voyez ces portes? Le seul moyen de les franchir, c'est que l'un de nous les ouvre de l'autre côté. Quelques explosifs devraient déblayer le passage. On n'embarque pas assez d'explosifs pour produire une détonation capable d'endommager l'enceinte intérieure. Si on ne peut pas forcer le passage, misons sur la furtivité. L'un de nous pourrait emprunter ce conduit de ventilation ici. Une mission suicide, en gros. Je suis volontaire. C'est courageux de votre part, Jacob. Mais vous n'arriveriez jamais à neutraliser les systèmes de sécurité à temps. Il nous faut un expert en technologie pour cette mission. À vous de décider, commandant. Qui allez-vous envoyer dans le conduit de ventilation ? Il nous faut quelqu'un capable de pirater ce système de sécurité. Tali, je m'en remets à vous. Je ne vous décevrai pas. De notre côté, on se déploie en deux escouades, une par voie d'accès. Ça devrait focaliser sur nous l'attention des récolteurs et vous laisser le champ libre. Je prends la tête de la deuxième escouade, Shepard. On se retrouvera de l'autre côté des portes. Pas si vite, Pom-Pom Girl. Personne n'obéira à vos ordres. C'est hors de propos. Des vies sont en jeu, Shepard. Vous avez besoin de quelqu'un qui impose la loyauté par l'expérience. Jacob, vous prendrez la tête de la deuxième escouade. Bonne chance, Taylor. On va voir si vous êtes prêt à commander. Dès qu'on y sera, ils nous enverront tout ce qu'ils ont. La moindre erreur, la moindre hésitation, et c'est la mort assurée. Les récolteurs ont attaqué notre vaisseau, tué nos amis, nos frères. Ils nous croient impuissants, mais ils se trompent. Ils ont déclaré une guerre. Mais nous ne sommes pas là pour y mettre un terme. Nous sommes là pour leur faire payer, pour montrer à tous ce qui arrive quand on dépasse les bornes. C'est ici et maintenant que tout se joue. Frappons-les en plein cœur.